chaleur, ça peut arriver. Moi, je suis allée dans des pays, en Inde notamment, au mois de juin, où il faisait cette température-là, et largement au-dessus, avec de l'humidité. Donc, je pense rien de spécial. Pour une fois qu'on a un été, bon, voilà. Je me mets à l'ombre, et puis je ferme mes volets à la maison, et puis voilà. On devait se rencontrer, on a décidé de le faire ici, à plein air, à prendre quelque chose ensemble, oui. Alors, moi, j'aime bien la chaleur. C'était bien le temps qu'à Paris, on ait un peu de chaleur. Donc, je trouve, après tout un hiver gris et pluvieux, c'est bien. Je suis contente. Je pense que c'est très difficile. C'est à la fois difficile à Paris de supporter ces fortes chaleurs, mais en même temps, comme il y a pas mal d'espaces verts, comme ici au Champ de Mars, il y a des points d'eau et des piscines municipales qui sont ouvertes. J'ai un avis partagé, mais bon, je dirais que globalement, je suis... Si c'est pour quelques jours, ça va, c'est supportable. Pour me protéger, je porte un chapeau, des lunettes, et je conseille aux gens de boire régulièrement, même quand on n'a pas soif. Pour l'agglomération, pour la pollution, pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont obligées de faire les travaux difficiles en bâtiment, ainsi de suite, oui. Il vaudrait mieux que ce soit un peu moins chaud quand même. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent déjà, mais bon, enfin, il faut savoir, hein, parce que... Quand il pleut, on se plaigne. Quand il pleut pas, quand il fait beau, on se plaigne. Bon, donc, bon. Là, moi, je suis contente. Je vais rester juste une heure, pas plus.